Et salut toi, aujourd'hui c'est le week-end et c'est le week-end spécial découverte du Morvan encore. Donc aujourd'hui je suis dans le Morvan, toujours forcément. Je suis dans le nord du Morvan. Donc là je commence par une petite randonnée sur Bazoches en fait. Après, je ne connais pas du tout, donc je vais voir ça, je vais découvrir, hein, en même temps que toi, bien sûr. Et sur mon passage, je vais aller visiter un château, le château de Bazoches, hein, qui est visitable. L'entrée est payante, bien sûr, donc on va voir ça. Il paraît que c'est pas trop mal, hein, donc... ça commence bien, il fait beau, c'est le matin, il fait pas très très chaud, mais ça va le faire, c'est l'été. Hein. Alors les paysages, pour l'instant, ben, ça change un petit peu. Hein. C'est un petit peu moins vallonné que... Ah, je sais pas si c'est le château que je vois là-bas, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, on verra. Donc là, je suis parti pour la boucle, en fait, la boucle de Bazoches, environ 10 km. Et puis, bah... c'est découverte, donc on va découvrir. Allez, tu viens ? Le chemin est super bien. Ça m'a l'air un petit peu plus vert que dans le sud du Morvan, hein, parce que il y a même des petites fleurs en fait qui sont sur le chemin. Il y en a un peu partout d'ailleurs même. Ça c'est sympa. Première petite vue sympa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup moins vallonné que dans le sud du Morvan. Donc là-bas, ouais, il me semble que c'est bien le château de Bazoches que je vais aller voir tout à l'heure. Si j'arrive à zoomer comme il faut. Voilà, juste là, c'est celui-là. Donc à mon avis, j'ai encore du chemin à faire pour... pourrait parvenir. Mais j'ai tout le temps, c'est le week-end, et c'est cool. Et petits papillons, les fleurs. Ah voilà, c'est tranquille. Alors comme tu peux le constater, je suis toujours sur l'appli IGN Rando. Donc là j'ai téléchargé le parcours en fait. Moi il faut un abonnement bien sûr, donc là c'est pour l'instant pour moi je suis en période d'essai. Donc voilà, si tu peux voir maintenant il y a tout le parcours qui est indiqué ici comme ça, tac tac tac, il est tout indiqué en violet avec le point de départ, le point d'arrivée. Donc là j'ai décidé en fait de m'écarter un peu du chemin, c'est pour ça qu'il met GPS détecte votre position au moment du parcours. Et je vais me rendre ici, là, juste là, au Mont Saint-Aubin, avec une petite chapelle qui est située ici. Donc on va voir, hein, je suis là pour découvrir, donc autant en profiter, comme c'est pas loin. Ça fait quand même 1 kilo, ça fait 3 km aller-retour, mais bon. Et voilà la chapelle, en fait elle est juste là-bas, tout en haut là, juste ici là, tac tac, c'est pas très loin, c'est cool, on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et voilà la chapelle. Ça grimpe pour venir jusqu'ici, mais en fait, une fois en haut, on arrive à une superbe vue. Bazoches tout en bas avec le château.
juste par là, là. Et le Morvan. Une belle vue de ce côté-là. On voit même la petite chapelle où j'étais tout à l'heure. J'arrive juste là. Voilà, je suis encore sur un sentier qui est super agréable en fait. Une petite vue de ce côté-là. De ce côté-là aussi, le château qui est juste en face. Regardez-moi ça, où je marche là, tranquille. Ça le fait. Presque arrivé au château en fait, hein. Le parking qui est juste là, et le château ouais, qui est ouais, ça grimpe pas mal pour y aller. Et y a une petite vue. Pas trop mal là. Et voilà la bête. Il y a même un pont-levis. Sacré tour, si je pouvais monter tout en haut là-bas, ce serait bien. Ici c'est le grand luxe. C'est cosy, c'est cosy. Thank you.
Sérieux, il est tout petit le lit. J'ai pas de bien grand. Ben voilà, visite du château terminée. Il est temps de prendre mon chemin parce que je suis pas encore arrivé. Hein. Je suis à peu près à
la moitié du parcours. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, ça grimpe dur maintenant. Un petit morceau de vue entre les arbres. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il faut pas se contenter de grand chose parce que c'est la forêt. Et je me suis taré, je me suis trompé tout à l'heure, j'étais pas au sommet, non, pas encore. Et, c'est bientôt là, juste au bout là. Là-bas c'est le sommet, tout au bout. Ouf, enfin. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied. Ça use souliers. Ah, je suis enfin arrivé au sommet. En pleine forêt. 417 mètres. C'est déjà bien. Sacrée côte. J'ai bas un coup. Hein. Et c'est, ça va, tu vois. C'est chaud, c'est l'été. Et puis après, on attaque. Et il ne restera plus qu'à descendre pour aller sur Bazol. Et c'est bête que ce soit en pleine forêt. Ça a bien commencé ce matin, mais. Mais bon, c'est comme ça. Ça rafraîchit, hein. Bon bah j'espère avoir une petite vue sympa quand même en quittant la forêt, ce serait pas mal quand même, avant de terminer la rando. Voilà. Faut y aller hein. C'est pas le tout mais faut y aller. Allez. Ah voilà, petit chemin comme je les aime en fait. C'est un peu bouché par les arbres, mais ça va être superbe vue. De l'autre côté, si on peut voir entre les arbres, c'est pas facile. Enfin, moi, je la vois en tout cas assez cool. C'est tranquille. Ah, regardez là. Juste ici, c'est dégagé. Petite bulle en partant, c'est cool ça au moins. Et ben voilà, je suis sorti de la forêt. Donc là, ouais, Bazol, c'est Pazoche. C'est juste là-bas, là, derrière l'église là. Donc là, je retrouve une petite vue sympa quand même. Ça sent la fin du parcours.